Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité sans rien faire, très facilement et très rapidement sur Fortnite chapitre 3 saison 1. Alors tout d'abord là je vais vous montrer que ça fonctionne bien le glitch sur chapitre 3 et ensuite je vous mettrai un tuto en fin de vidéo, donc après que je vous ai présenté que ça fonctionne bien, je vous mettrai un tuto que j'ai déjà présenté précédemment sur ma chaîne YouTube pour pas me répéter. Donc voilà, alors le glitch, quand vous aurez fait la préparation du glitch que vous verrez après cette présentation-ci, vous allez devoir impérativement aller dans le lobby Fortnite. Il ne faut pas aller dans le lobby créatif pour rentrer la map que je vais vous dire. Donc la map c'est Évasion, donc c'est juste celle-ci. Et le code je vais vous le donner au cas où. C'est celle-ci en fait, normalement vous l'avez dans récemment joué. Si vous faites le glitch précédemment, vous faites la préparation du glitch, normalement vous l'aurez dans récemment joué. Mais si vous ne la trouvez pas, vous allez dans code de l'île et vous tapez le code 6 5 3 1 4 4 0 3 0 7 2 6. Et là vous acceptez. Voilà, et vous faites jouer. Mais il faut vraiment lancer le jeu via le lobby Fortnite et pas lancer la map créatif via le mode créatif, parce que sinon vous ne gagnerez pas d'XP parce que c'est patché. Donc quand vous êtes dans le lobby Fortnite, vous lancez la map et là vous appuyez sur flèche de haut pour mettre en partie privé, parce que sinon d'autres personnes vont être dans la même partie que vous et ça va vous déranger. Donc ensuite vous lancez la partie tout simplement et là je vais vous montrer ce que vous allez faire. Voilà, quand vous êtes dans le jeu, ce que vous allez devoir faire c'est attendre les 80 secondes parce que vous ne pouvez pas lancer par vous-même en appuyant sur option, parce que tout simplement c'est une partie privée et ce n'est pas en mode créatif. C'est comme si vous lanciez un matchmaking en fait, et c'est pour ça les XP dans les matchmaking ne sont pas patchés, mais les XP sur le mode créatif ont été désactivés temporairement pour essayer de corriger les bugs. Et en fait là l'opportunité se présente à nous de lancer des parties matchmaking où justement les XP sont disponibles et ne sont pas désactivés. Donc là vous allez patienter encore 40 secondes, hein. Là je dois encore patienter 40 secondes, mais ce qui va se passer en fait c'est que moi je vais arriver dans la map, directement j'ai acheté un appartement, donc je vais arriver directement dans l'appartement à un emplacement bien spécial. Vous n'arriverez pas là, et aussi moi quand je vais apparaître je vais avoir des pièces d'or et vous n'aurez pas d'or. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire la préparation du glitch que je vous présente juste à la fin de la vidéo. Donc, je vous présenterai tout ça à la fin. Et je vais vous expliquer, juste après que je vous ai présenté que ça fonctionne bien, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir apporter les pièces devant votre appartement pour ceux qui ont déjà acheté leur appartement et pour ceux qui n'ont plus de pièces au cas où. Je vous montrerai comment faire. C'est très très facile à faire. Alors regardez, donc voilà, moi j'arrive dans mon appart. Regardez, j'ai déjà 544 000 pièces. Je ressors de mon appart et là, j'ai toujours les 544 000 pièces, hein. Donc ce que vous allez faire et ce que moi je vais faire, c'est tout simplement venir ici et acheter un petit appart ou alors un grand appart. Donc là vous allez ici et vous appuyez sur carré. Et vous maintenez carré tout simplement, vous maintenez carré et vous allez gagner des XP. Donc là j'ai gagné 5500 XP et ici j'ai gagné 5500 XP. Donc moi ce que je fais, c'est comme je gagne les deux les mêmes, ce que je fais c'est que je vais me mettre ici. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes paramètres manette, je vais aller dans accessibilité, je vais aller dans manette, attribution des touches personnalisées, activer l'attribution des touches. Ensuite, je vais tout simplement changer le R1 avec le carré. Comme ça, j'aurai juste à mettre un élastique sur le R1 pour que ça achète en illimité. Donc là, regardez ce que je vais faire. Donc je me mets bien devant le truc, je mets mon élastique. Voilà. Et là, je ne touche même plus la manette. Ça va acheter en illimité. Alors, il faut savoir que là, je gagne 6000 XP toutes les 3-4 secondes. Alors, j'ai fait le calcul plus ou moins 6000 XP toutes les 3-4 secondes. Ça veut dire qu'en 15 minutes, vous dépassez le million d'XP. C'est juste hallucinant. En 15 minutes, sans rien faire, vous dépassez le million d'XP. Alors, il y a une deuxième chose qu'il faut savoir.
c'est que regardez, mes XP sont en train de diminuer. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, dans ce mode de jeu, si vous restez une heure à faire ça, les 5000 XP que là je gagne peuvent se transformer en 15000 XP. Tout simplement pourquoi ? Parce que moi, dans mon compte principal, j'ai commencé en faisant cette technique avec 45 XP. Je gagne 45 XP avec mon compte principal. Et là, je suis à l'heure actuelle, je suis resté une heure dans le glitch et je suis monté à 400-500 XP. Donc ça a fait quasiment x10. Donc attendez, il y a mon téléphone. Donc ça a fait carrément x10. Seulement en patientant. En fait, le truc, c'est que plus vous allez faire le glitch, plus longtemps vous allez faire le glitch, plus vous allez gagner d'XP. Là, je vous montre un gameplay où justement, c'est ma pote Audrey Marley qui dans le gameplay, c'est le gameplay de Audrey Marley. Et elle gagne du 6000. Et or qu'au début, je crois qu'elle avait commencé à du 1500, 2000. Et là, elle gagne du 5000 XP. Parce que ça fait une heure qu'elle est dans le glitch, voire deux heures, je sais plus trop. Mais voilà, vous le voyez sur le gameplay que ça fonctionne bien. Plus vous allez rester longtemps, plus vos XP vont augmenter. Donc ça fonctionne pour tout le monde. Normalement, ça devrait faire ça. Alors, j'avais une autre chose à dire. Ouais. J'ai une autre chose à dire par rapport à ceux qui ont acheté un appartement. Donc, le tutoriel que je vais vous présenter juste après, si vous avez un appartement, vous n'arriverez plus à ramener les pièces, à retourner dans la prison pour récupérer des pièces. Mon Dieu, mon téléphone me casse les couilles. Donc, vous n'arriverez plus à récupérer des pièces parce que il faudra retourner dans la prison et vous ne pourrez pas y retourner. Donc, si maintenant vous avez acheté l'appartement qui est juste ici, à 1000 pièces, je vais vous montrer comment vous allez faire pour refaire spawn des pièces juste ici. En plus, c'est très très simple. Donc là, on va quitter le mode créatif. Là, je vais vous faire un tuto uniquement pour ceux qui ont l'appartement. Hein. Parce que sinon, si vous n'avez pas encore fait la préparation de glitch et que vous n'avez pas d'appartement, ça ne sert à rien de faire ce glitch. Je pense que ça ne fonctionnera pas. Ou si, peut-être, je sais pas. Mais voilà. De toute façon, je vous mettrai quand même le tuto juste après. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez en mode créatif. Pourquoi je ne peux pas choisir? Ah ouais, c'est normal, j'ai interverti les touches. Je me dis pourquoi quand j'appuie sur carré, ça ne fonctionne pas. Manette, attribution des touches. Ok, désactivé, parfait. Donc vous allez en mode créatif. Voilà. Et je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est très 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 facile. C'est très rapide. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer le code ici sur le pad. Le code que je vais vous dire, donc 5 1 8 5 0 2 7 4 7 6 5 8. Voilà, vous acceptez. Ensuite, vous allez sur ce pad là et vous allez rentrer le code de l'île qui est 6 5 3 1 4 4 0 3 0 7 26. Voilà, vous acceptez. Ensuite, vous attendez que cette île se charge. Voilà, comme ceci. Ah oui, je tiens à préciser que les codes seront en description, en commentaire épinglé, comme d'habitude, si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite, quand vous êtes dans cette île, vous allez tout simplement prendre les pièces. Vous allez prendre le God Mode. Vous attendez, vous allez respawn dans le mode créatif. Et vous allez même pouvoir voler quand vous allez appuyer deux fois sur X. Hop, deux fois sur X. Et là, je vais tout simplement survoler au-dessus de la map évasion de prison. Donc, je vais monter et avancer. Là, je vais être bloqué par un mur orange, mais il faut toujours monter jusqu'à temps que le mur orange, vous passez au-dessus du mur orange. Voilà, j'ai passé au-dessus du mur orange parce que en haut à droite sur la carte, la mini-carte, on voit que je continue à avancer. Donc là, c'est parfait. Là, je vais me diriger vers l'île. Logiquement, je vais être aussi bloqué par un mur orange. Si je suis bloqué par le mur orange, je monte. Donc, on va voir. De toute façon, c'est bientôt. Normalement, ça devrait pas tarder. Ok, là, je suis bloqué avec le mur orange. Donc là, je monte jusqu'à temps que je puisse encore avancer. Voilà, là, je peux avancer. Ensuite, là, je vais vers le milieu de l'île. Donc voilà, juste où il y a les cristaux. Et là où il y a votre appartement. Donc, c'est juste ici qu'il y a votre appartement. Ce que vous faites, c'est que vous faites une petite danse. Voilà, comme ça. Comme ça, vous apportez blindé de pièces. Quand vous avez apporté ces pièces-là, vous faites réapparaître. Appliquer. Et là, vous attendez de réapparaître. Le jeu va se lancer. Vous allez appuyer sur option pour lancer le jeu. Voilà, comme ceci. Comme ça, là, vous n'avez pas besoin d'attendre les 90 secondes. Et ensuite, vous allez tout simplement respawn dans votre appartement. Vous sortez de votre appartement et vous allez récupérer les pièces. Alors, très important, sur cette map, les pièces disparaissent. Après, je crois que c'est 5 minutes ou 30 secondes, les pièces disparaissent. Donc, il faut être assez rapide.
Et regardez, maintenant bah, j'ai 1 million de pièces. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir récupérer des pièces quand vous n'en avez plus. Et regardez maintenant, si j'appuie carré sur appartement, en mode créatif, j'ai bien lancé le jeu en mode créatif, je gagne aucun XP parce que j'ai lancé la map via le lobby du mode créatif. Donc voilà, là je pense que regardez, les pièces elles ont disparu après 30 secondes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Enfin, entre guillemets, je vous ai présenté que le glitch fonctionnait. Je vous ai présenté une nouvelle astuce pour ceux qui ont un appartement pour faire spawn des pièces plus rapidement. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo qui vous explique l'entièreté du tuto. Et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP qui va vous rapporter beaucoup d'XP en illimité sur Fortnite. Donc c'est un gros glitch d'XP, logiquement, vous devriez prendre énormément d'XP. Alors première chose que vous allez devoir faire pour réaliser le glitch, c'est d'aller en mode créatif. Ensuite, vous allez aller près de cette console-ci et vous allez taper le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 6-5-1-3-1-4-4-0-3-0-7-2-6. Ensuite, vous validez le code. Ok. Vous laissez la map chargée et dès qu'elle est chargée, vous rentrez dans l'île. Voilà, vous rentrez dans l'île et là normalement il faudra lancer le jeu ou alors il se lance tout seul. Non, c'est bon, il faudra lancer le jeu. Donc vous appuyez sur option, vous lancez le jeu. Là c'est possible que vous ayez un didacticiel, donc je pense que moi je vais en avoir un. Donc 3, 2, 1, hop, il me propose un tutoriel. Moi je refuse le tutoriel, donc je vais dans skip tutoriel à droite. Je prends la faille de droite, donc là je vais réapparaître. Ensuite, je vais être normalement dans la prison. Voilà, parfait, je suis dans la prison. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller mettre un ping juste ici. Vous voyez, entre les deux machines. Là, vous allez mettre un ping juste ici. Voilà. Ensuite, vous allez faire option retour à l'accueil. Quand vous êtes de retour à l'accueil, vous allez aller sur votre île principale, personnelle. Voilà, votre île personnelle. Vous allez utiliser la console. Vous allez faire R2. Pour choisir l'île Agri XL, ensuite vous faites confirmer, ok, et là vous attendez que la map se charge. Quand la map est chargée, vous rentrez dans votre île et là vous allez faire 2x X pour voler, bam, voilà. Ensuite vous allez rejoindre, donc déjà je vais augmenter la vitesse de vol en faisant flèche du bas, hop, je vais la mettre en x5, voilà, comme ça je vais beaucoup plus vite. Vous allez rejoindre le bord de l'île où il y a le ping, voilà, parfait. Ok, donc là j'appuie 2x sur X pour arrêter de voler. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire flèche du haut. Vous allez aller dans mode créatif. Non, vous allez aller dans mon île. Ensuite, vous allez descendre dans les paramètres. Donc là, je suis dans mon île. Je fais L2 dans paramètres. Là, vous descendez jusqu'à ce paramètre. Donc vitesse de vol, vous mettez x5. Ensuite, vol du joueur, vous allez mettre oui. Ensuite, vous faites rond. Là, vous refaites flèche du haut. Vous allez dans mon mode créatif. Ensuite, vous allez dans appareil. Et là, vous allez sélectionner la plaque d'apparition du joueur. Vous allez le mettre dans votre raccourci, donc 2x X. Ensuite, vous allez sélectionner le fournisseur d'objets. Vous allez appuyer une fois sur X et le mettre sur carré. Voilà, donc une fois X, une fois carré. Et ensuite, vous appuyez sur zone d'altération, une fois sur X et puis une fois sur rond pour le mettre dans votre barre de raccourci. Quand ceci est fait, vous allez maintenir L2 pour sélectionner la plaque d'apparition du joueur. Vous allez placer la plaque d'apparition du joueur en plein milieu du carré, comme ceci. Ensuite, vous appuyez sur R2 pour placer la plaque. Ensuite, vous prenez votre construction et vous placez un toit au-dessus de la plaque. Ensuite, vous maintenez triangle pour reprendre votre téléphone. Vous maintenez L2 et vous choisissez le rond pour prendre le truc d'altération. Ensuite, vous allez faire flèche de droite pour que l'axe de rotation soit en tangage. Ensuite, vous allez faire L1 pour
pour que le truc se mette à peu près comme moi, mais vraiment comme moi, il faut vraiment faire tout comme moi. Ensuite, vous allez maintenir rond pour redimensionner, donc vous maintenez pour que la redimension soit en oui. Ensuite, vous allez faire agrandir en appuyant sur R1 jusqu'à temps qu'il soit au maximum. Donc, vous laissez votre doigt appuyer sur R1. Voilà, là, il est au maximum. Vous le laissez bien au sol. Hein. Ensuite, vous le placez, vous faites rond. Vous maintenez L2, vous appuyez sur carré pour prendre vos apparitions d'objets. Vous le placez juste ici en plein milieu du carré. Et là, ensuite, vous allez changer les paramètres. Donc, il faut juste que je vérifie c'était quoi les paramètres. Je les ai notés, voilà, ok. Donc, vous allez près de la grosse plaque ronde. Vous allez appuyer sur carré. Ensuite, vous allez dans toutes les options. Là, vous allez mettre permettre à l'usage des armes, oui. Ensuite, largeur, vous allez mettre largeur de la zone à 100%, profondeur de la zone 100%, hauteur de la zone 100%. Ensuite, vous descendez. Ici, multiplicateur de déplacement, vous le mettez à 2. Ensuite, vous descendez et là, tout en bas, quand le joueur commence à faire une émote, transmet. Et là, c'est sur aucun canal, vous allez le mettre sur canal 1. Ensuite, vous appuyez sur carré pour bien valider les paramètres. Appuyez bien sur carré pour valider. Ensuite, vous allez retourner dans les paramètres en appuyant sur carré et vous allez faire R1 pour les options modifiées. Et vous allez vérifier que vous avez bien les mêmes options modifiées que moi sur le gameplay. Quand c'est bon, vous allez aller près de le fournisseur d'objets. Vous allez appuyer sur carré. Ensuite, vous allez dans toutes les options en appuyant sur L1. Et là, vous allez mettre les paramètres que je vais vous dire. Donc, action à l'obtention, vous allez mettre tout garder. Remise, vous allez mettre tous les objets. Ensuite, comportement du cycle. Voilà, comportement du cycle, vous allez mettre redémarrage. Ensuite, vous descendez. Dans remettre l'objet si reçu depuis, là vous mettez canal 1. Ensuite vous descendez tout en bas et quand l'objet est remis, transmettre sur canal 1. Vous appuyez sur carré pour valider les paramètres. Ensuite vous rappuyez sur carré pour voir si vous avez bien mis les paramètres. Donc vous appuyez sur carré puis R1 pour voir les options modifiées et vous vérifiez que les options modifiées que j'ai dans le gameplay sont les mêmes que vous avez aussi. Alors quand ceci est fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire flèche du haut. Vous allez aller dans objet à usage unique. Vous allez sélectionner 15 fois la pièce d'or. Vous allez appuyer 15 fois carré sur la pièce d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Voilà. Donc regardez à droite dans le coffre maintenant, j'ai 15 pièces. Donc là, ce que vous allez faire, c'est créer un coffre en appuyant sur X. Donc vous spammez, vous en créez plusieurs. Comme ceci, vous en créez plusieurs blindés. Voilà, donc il faut vraiment avoir blindé de pièces. Voilà, donc là ça devrait être bon. Maintenant vous avez le coffre devant vous. Ce que vous faites, c'est que vous faites flèche du haut. Vous allez dans armes, vous allez sélectionner l'arme canon plasma. Vous le sélectionnez, vous le mettez dans votre inventaire. Ensuite vous le prenez sur vous en appuyant sur R1. Et là vous allez tirer sur votre coffre. Boum, pour le détruire. Ensuite il y a plein de pièces qui vont spawn. Vous les ramassez toutes. Voilà, j'ai un total de 465 pièces, 510 pièces. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous mettez au-dessus du fournisseur d'objets, vous faites flèche du haut, vous allez dans jouer et vous laissez tomber les pièces en appuyant sur carré, enfin maintenant carré, pour que l'objet, le fournisseur d'objets avale la pièce. Donc là, il y a les 500 pièces dedans. Alors ensuite, vous allez faire flèche du haut, aller en mode créatif dans objet, non, je crois que c'est dans appareil. Non, c'est un objet à usage unique, je crois. Dans objet à usage unique, vous allez sélectionner la petite carte verte juste ici, donc carte de l'autorité. Vous la sélectionnez, ensuite vous allez faire flèche du haut dans jouer et vous allez la déposer au-dessus du fournisseur d'objets, comme ceci. Voilà, quand vous avez fait ça, je crois que j'ai oublié une étape. Ouais, je crois que j'ai oublié une étape, mais c'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous faites option retour à l'accueil. J'ai oublié de changer l'île qui était ici, donc l'île qu'on a mis au départ, en fait il fallait la rechanger et mettre le code que je vais vous dire. Donc c'est le code, donc vous appuyez sur carré près de la console et vous mettez ce code là, le code 9 3 0 5 7 6 3 5 0 2 7 2. Voilà, impérativement il faut mettre cette île ou sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, vous retournez dans votre île. Donc tout ce que je viens de faire dans mon île principale, c'est sauvegarder. Donc vous n'aurez plus jamais besoin de le refaire. C'est ça qui est cool. C'est que vous le faites une fois et c'est bon. Donc là, je vais retourner près du point où j'ai fait toutes mes constructions. Enfin, où j'ai mis tous mes bazars. Voilà, donc juste ici. J'arrête de voler.
Là, ce que vous allez faire, c'est passer à travers le mur et lancer le jeu directement quand vous êtes passé à travers le mur. Alors, je tiens à préciser parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent qu'ils n'y arrivent pas. En fait, quand vous essayez de traverser le mur comme ceci, à un moment, vous ne pouvez plus lancer la partie parce qu'il détecte que vous êtes en hors de la map. C'est totalement logique. Donc, ce que vous devez faire, c'est revenir dans la map, appuyer sur option pour faire réapparaître la case, lancer le jeu, ensuite faire 2-3 pas comme ceci et appuyer sur option puis lancer le jeu directement. Là, ça va pas marcher parce que je suis tombé dans l'eau. Donc, quand c'est comme ça, j'ai raté, je remonte, hop, j'arrête de voler, bien entendu. Je me remets au bord de l'île et là, voilà, comme ceci, je me remets bien au bord de l'île, enfin au bord du mur. Et là, je fais 2 pas en avant, j'appuie sur option, mais là, j'ai encore été un peu trop loin. Il faut vraiment s'arrêter et pas tomber dans l'eau, sinon ça ne fonctionne pas. Et pas aller trop loin non plus, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment faire 2 pas, 1, 2, voilà, comme ceci, et je lance le jeu directement. Il faut que la moitié du corps, de votre corps, soit de l'autre côté du mur orange, mais que vous ne tombez pas dans l'eau, bien évidemment. Quand ceci est fait, vous allez voler jusqu'au ping, jusque là-bas. Donc là, vous voyez, j'ai bien réussi. Je peux voler à l'extérieur du mur. Donc là, c'était l'étape juste avant. Ça, il faudra le faire à chaque fois si vous voulez voler à l'extérieur du mur. Après, vous pouvez y aller à la nage, mais bon, c'est plus facile d'y aller avec votre téléphone. Donc là, vous allez jusqu'au point. Quand vous êtes au point, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment aller en dessous du point. Je vais appuyer 2 fois sur X. Je vais sortir mes constructions et je vais construire un mur. Et là, je revole. Bon, attends, je revole. Ok. Voilà. Et là, je vais monter en construisant jusqu'au ping. Donc là, le ping, il est là. C'est parfait. Donc, vous allez construire un sol près du ping. En fait, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Donc là, ce que je vais faire, je crois que ce n'est pas une bonne idée ce que j'ai fait. Donc, vous allez faire comme ça. Hein. Vous allez construire. Donc là, je crois que c'est pas une très bonne idée. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Un arc. Parce que c'est possible que ça bloque mon jeu. Il faut vraiment qu'il y ait que 4 cases près du ping. Voilà, ces 4 cases-là, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, enlever ça. Enlever ça. Parce qu'après, en fait, les constructions, elles vont dans le jeu. Et si maintenant, les constructions bloquent le chemin, je pense que vous ne pourrez pas les casser. Donc, faites bien comme ça. Faites bien comme moi. Hop. Et là, logiquement, ça va détruire le reste. Parfait. Là, ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement faire une émote. Donc, vous faites flèche du bas et vous faites une émote. Et vous allez faire ça quelques petites secondes. Et vous allez voir que ça va faire tomber plein de pièces. Donc, vous faites tomber beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces un peu partout. Des cartes d'activation un peu partout. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Ensuite, vous appuyez sur option. Vous faites retourner à l'île. Et là, vous allez changer la map principale. Donc, vous allez remettre l'ancien code qui était 6, 5, blablabla, blablabla. Hop, de toute façon, les codes seront bien entendu en description, en commentaire épinglé. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais. Alors là, vous attendez que le chargement de la map se fasse. Quand le chargement de la map est fait, ben, vous rentrez dans la map, tout simplement. Désolé pour mon téléphone, je vais le mettre en silencieux. Ok, donc là, vous allez lancer le jeu. En appuyant sur option, lancer le jeu, parfait. Vous attendez que ça charge. Donc là, vous attendez le début. 3, 2, 1. Ensuite, vous sortez de votre cage. Vous allez à droite. Et regardez, en fait, c'est pour ça que je vous avais dit de ne pas mettre un mur. Parce que le mur, en fait, il aurait peut-être pu me bloquer. Bon, là il ne m'aurait pas bloqué. Mais c'est possible que s'il bloque ce chemin-là, ben, ça crée, en fait. Donc là, ce que vous faites, bien entendu, c'est que vous ramassez. Ah bon, j'ai pas su ramasser de carte. Donc ça craint. Donc ça craint, ça craint. Donc je vais trouver une autre solution parce qu'en fait, là j'ai ramassé tellement de pièces, j'ai pas eu le temps de ramasser une carte. Logiquement, vous, ce que vous devez faire, c'est ramasser une carte. Mais là, je vais vous montrer une autre technique parce que comme ça, ça va moins de prendre la tête. Donc je vais retourner à l'accueil. Je vais retourner sur mon île principale. Donc, île à gris XL. Je vais retourner là où j'avais mis mon le fournisseur d'objets, voilà, plutôt. Voilà, je vais retourner là-bas. Ouais, d'abord, il faut que je remette l'île. Donc, j'avais oublié un truc. Il faut d'abord remettre l'autre île. Toujours remettre l'autre île pour faire spawn les objets. Donc, on va mettre le code 9-3.
Donc voilà, là j'ai pas été carré dans le glitch parce que j'ai fait une ou deux erreurs, mais c'est pas grave, au moins vous voyez que si vous faites des erreurs, ben c'est toujours rattrapable. Donc vous voyez comment je vais régler les erreurs que j'ai fait. Donc voilà, j'ai tout simplement remis l'ancienne map, enfin la deuxième map que je vous avais dit dans la vidéo. Là je vais retourner près de mon apparition d'objet, mon fournisseur d'objet, et en fait je vais pas mettre une carte. Ce que je vais faire, bah, il y aura la carte, hein, il y aura la carte, il y aura les pièces. Mais ce que je vais faire, c'est carrément aller en mode créatif là. Je vais aller dans objet à usage unique et je vais choisir des poissons faille. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, je choisis des poissons faille. Ensuite, je les fais tomber au-dessus du fournisseur d'objets pour que le fournisseur d'objets les avale. Voilà, là, il les a avalés, c'est parfait. Ensuite, bah, je repasse à travers le mur. Donc, je fais un, deux pas. Donc là, je vois que mon personnage n'est pas assez de l'autre côté du mur orange. Donc, je reviens en arrière et je fais un, deux pas. Hop, je lance le jeu. Là, normalement, ça devrait être suffisant. Donc, OK, début du jeu dans 1, 2, 3. OK, c'est parti. Donc là, je vole jusqu'au ping. Normalement, il y a déjà ma construction qui est là-bas. Donc, j'aurais même pas besoin de reconstruire. Donc, ça, c'est cool. On va voir de toute façon. OK, vous voyez, on voit la construction. Donc, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la construction. Voilà, juste ici, je vais arrêter de voler et je vais faire une petite danse. Hop, je fais ma petite danse. Comme ça, ça va apparaître des cartes, des poissons, des pièces, etc., etc. Donc là, je vais en faire apparaître plusieurs parce qu'en fait, là, ce que je suis en train de remarquer, c'est que ça fait apparaître beaucoup moins de pièces et beaucoup plus de poissons. Donc ça, c'est un peu... c'est pas très cool, quoi. J'espère que des pièces, j'en aurai assez. Donc, on verra bien de toute façon. Donc là, je vais arrêter de faire spawn les poissons et les pièces. Je vais retourner à l'accueil. Donc bien entendu, faites pas la même erreur parce que moi j'ai mis genre 6 poissons, 7 poissons au-dessus de du fournisseur d'objets. J'ai encore fait une erreur, mais il fallait pas en mettre autant, il fallait juste en mettre un. C'était largement suffisant. Mais bon, c'est pas grave, on fait tous des erreurs et on apprend de nos erreurs. Donc là maintenant, vous allez retaper le code 6531. Et puis, comme Aurel Saint dit, c'est en faisant des erreurs qu'on évolue. C'est comme ça que ça se passe. Si on fait pas d'erreur, ben on n'apprend rien. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc voilà. Donc là, vous attendez que l'île charge. Quand l'île est chargée, ben vous rentrez dedans. Vous allez lancer le jeu en appuyant sur option et puis lancer le jeu. Voilà. Bon, j'ai été un peu trop vite, il faut que je recommence. Voilà. Ensuite, ben, vous attendez le chargement, le lancement de la partie. Début dans 3, 2, 1, let's go. Et là, ce que vous allez faire, c'est directement prendre les poissons. Et les pièces. Alors en fait, regardez, j'ai déjà 851 000 pièces. Donc là, je vais juste prendre déjà un poisson. Je vais essayer de prendre la carte d'accès. En fait, c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez prendre la carte d'accès et puis le poisson et prendre directement les pièces juste après. Donc moi, les pièces, bah, elles ont disparu. Donc faut vraiment aller vite. Hein. Soit vous prenez le poisson et puis vous prenez les pièces. Soit vous prenez la carte d'accès et puis vous prenez les pièces. Mais vous pouvez pas prendre les deux parce que vous avez vu, moi j'ai pris les deux et ça a fait disparaître mes pièces. Mais de toute façon, j'avais déjà des pièces en abondance, donc j'en ai 851 000, donc c'est suffisant. Ah ouais, d'accord. Donc vous voyez, heureux que là, ce mur là, bah il était pas ici parce qu'après, bah en fait ça, je peux pas le casser, je crois. Donc vous voyez, je peux pas le casser. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention où vous mettez vos murs. Mais bon, là, le mur, il s'est bien mis. Donc ça va, il s'est pas mis où je dois passer. Ce que vous faites, c'est que vous descendez l'escalier. Ensuite, vous allez à droite. Et puis, vous allez encore à droite. Donc là, c'est parfait. Donc là, comme j'ai la carte d'accès, je vais pouvoir accéder à l'hélicoptère qui est juste là en passant par ici. Voilà. Et puis voilà, je vais à l'hélipad. Si maintenant, vous n'aviez pas la carte d'accès, ben, vous n'aurez pas pu ouvrir cette porte-ci. Donc, ce que vous aurez fait, ben, c'est que vous aurez utilisé votre poisson faille et vous aurez été vers l'hélicoptère qui est juste là. Voilà, voilà. Donc, ensuite, ben, vous récupérez l'hélicoptère et vous allez vous diriger vers l'île au milieu principal, quoi, on va dire. Hop. Et vous vous dirigez vers l'île qui est juste là-bas. Accélérer, c'est très bien. Et vous allez voir que là, bon, en fait, normalement, je vais gagner beaucoup d'XP. Bien entendu, ça dépend les comptes. Il y a des comptes qui gagnent énormément d'XP. Il y en a d'autres qui gagnent moins d'XP. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que ce glitch est rentable quand même pour tout le monde. Donc voilà, faut juste tester.
Ça prend un petit peu de temps pour tester, mais logiquement, c'est assez rentable. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous placez ici. Voilà. Ensuite, vous allez dans Weapon Store. Et là, on va changer de truc. Hein. On va prendre une arme. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur carré partout. Et là, regardez, je gagne 200. Il y en a qui vont gagner 1000, 2000, 2000, 2000 par 2000. Moi, je gagne 200. Regardez, à un moment, j'ai gagné 24 000. Et là, en fait, vous devez faire le tour à chaque fois. Donc, parce que les armes, elles sont en train de charger. Donc, vous pouvez pas spammer une seule arme. Donc, il faut vraiment faire le tour comme ça. Et spammer. Après, c'est pas tout. Il y a une autre technique pour gagner des XP aussi. Que vous pouvez faire. Après, je trouve que c'est un peu moins rentable. Mais bon, vous pouvez le faire, je vous le présente quand même. C'est près des appartements. Donc là, juste ici, il y a l'appartement. Et quand vous allez aller à l'intérieur, ouf, je vais y arriver. Quand vous allez aller à l'intérieur, vous allez pouvoir acheter des appartements. Donc ici, il y a un appartement pour 200 pièces. Donc voilà, je vais l'acheter. Bon, ça prend du temps. Mais voilà, ça rapporte 8000 d'XP d'un coup. Ici, il y a un appartement pour 500 pièces. Je l'achète. Là, ça me rapporte combien ? Ça me rapporte 6000. Donc là déjà, celui-là, il est déjà plus intéressant. Donc pour moi, je laisserai mon doigt appuyer sur carré. Ici. Ah ben non, parce qu'en plus, ça diminue. Mais bon, ce qui est bien avec ce glitch, c'est que vous allez pouvoir le faire sans rien faire. Donc ça veut dire que maintenant, vous allez, si vous êtes sur Play, si vous êtes sur console, vous allez dans vos paramètres. Juste ici, vous allez dans accessibilité. Vous allez dans manette, dans attribution des touches personnalisées. Ensuite, vous activez les touches personnalisées. Vous personnalisez les touches d'attribution. Et vous allez changer le R1 avec le carré. Comme ceci. Ensuite, vous appliquez. Vous faites rond. Vous revenez au jeu. Et là, en fait, quand je vais maintenir R1, eh ben, je vais acheter l'appartement en illimité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez ne rien faire et que vous voulez gagner des XP en illimité, ben, vous mettez votre élastique autour de la touche R1, comme ça, ben ça appuie sur la touche R1 et ça achète en illimité. Vous gagnez des XP en illimité sans rien faire. Donc voilà, ça c'est une bonne solution aussi. Après ici, il y a un appartement, mais je pense que quand vous l'achetez, ça rapporte rien du tout. On va tester juste pour voir. Donc là, ça m'a rien rapporté. En plus, il m'a coûté 1000 pièces d'or. Mais par contre, si je rachète celui-là, est-ce que ça va augmenter mes XP? Non, ça n'augmente pas mes XP. Donc là, je suis à 4000. Donc moi, je vous conseille d'utiliser celui-là parce qu'il grappe. Il coûte beaucoup moins cher que l'autre. Après, si vous voulez vraiment jouer vous-même, que vous êtes devant l'écran quoi, et que vous voulez pas faire le glitch sans rien faire, enfin gagner des XP sans rien faire, bah là vous allez dans Weapon Store et vous achetez tous les objets comme je vous ai montré. Vous achetez toutes les armes comme ça. Tac 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 tac. Je pense que ce sera beaucoup plus rapide que de maintenir la touche dans les appartements. Après, quoique, vous voyez, je suis qu'à 4000. Hein. Après, ça diminue. Hein. Donc, je sais pas. À vous de voir laquelle technique vous préférez. Au moins, je vous ai présenté les deux techniques. Et je rappelle aussi que si vous gagnez pas beaucoup d'XP, bah, c'est que vous avez pas de chance. Il y a des comptes qui ont beaucoup de chance. Ils vont arriver, ils vont gagner 55 000 XP par truc acheté. Ils vont arriver à 3 millions d'XP en 5 minutes. Il y en a, ils vont gagner rien du tout. C'est totalement aléatoire. J'ai jamais compris. Personne n'a jamais compris comment ça se fait que les XP sont totalement aléatoires sur Fortnite. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.